Bonjour à tous, c'est à nouveau Chris, le retour bis. Quand la santé va, on travaille. Donc, nouvelle petite vidéo pour une grosse bête de 5,7 pouces. Un téléphone que j'ai commandé moi-même parce qu'il n'était pas très cher. Équipé d'une double caméra, ça m'a semblé intéressant de par ses spécifications techniques côté photo. J'ai voulu en savoir plus et avoir le cœur net et en avoir le cœur net pour ce téléphone qui est le Ligoo M8 Pro. Alors Ligoo, c'est pas une marque qui avance très très vite. Je pense que problème de cash, très sincèrement, ils se sont déployés très très vite, mais là je trouve qu'ils traînent un petit peu en longueur parce que ils sortent un téléphone à double caméra bien après tout le monde. Ils préparent un M5 Edge à écran sans bordure sur les côtés, uniquement des deux côtés, que maintenant il n'est pas encore sorti. Ils sortent un Ligoo T10 équipé du MT6797 ou Helio X20. Donc tout ça après tout le monde, et bon, je trouve que c'est un petit peu dommage. Sachant qu'on reste toujours, vous le voyez, sur le même design que les T1, les M5, le M8. Toujours cette coque arrière façon métal, mais alors très 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 brillant, que je trouve personnellement pas terrible, mais bon, après chacun ses goûts. Mais ça n'en reste pas moins un téléphone intéressant puisqu'il n'est vraiment pas cher. On le trouve actuellement au prix de 76 €, hein, prix de 76 € pour une grosse batterie, une double caméra qui fonctionne très bien, un écran de 5,7 pouces. Certes, il n'est uniquement que HD, ce n'est pas bien grave. Vous avez quand même un téléphone intéressant, même si finalement il n'a que 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Pour ce qui est de la partie photo, les caméras arrière sont de 13 plus 5, ce qui est plutôt pas mal. La caméra frontale est de 8 mégapixels. Vous avez de l'Android 6 directement sorti de boîte. Certes, ce n'est pas du 7. Bon, au moins on n'est pas en dessous. Même si ce n'est pas extraordinaire, il ne faut pas s'attendre à migrer en 7. Là, avec Ligoo, c'est même sûr et certain. Ensuite, vous avez donc malgré tout un écran de 5,7 pouces HD. Ok. Il correspond à peu près finalement au Geotel Note, sauf que lui a une double caméra qui fonctionne plutôt pas mal aussi, tandis que le Geotel Note, lui, avec une simple caméra, mais qui captait très bien la lumière aussi. Alors, on va voir tout ça ensemble. Et avant de détailler le téléphone, on va détailler le contenu de la boîte. La boîte, pas grand chose à dire. Vous avez un chargeur basique, vraiment basique, puisqu'il n'est qu'à 1 A en sortie. Alors 1 A, une batterie de 3500, vous attendez pas à avoir de la charge ultra rapide. Câble USB, micro USB et casque vraiment très ordinaire aussi. Casque pour prise d'écoute avec le bouton ici. C'est limité et tout ça se trouvait dans une très grosse boîte et avec une documentation elle aussi épaisse, mais alors beaucoup beaucoup de textes multilangues et rien d'autre. Ligoo est descendu clairement d'un niveau. Voilà, on attaque tout de suite le téléphone si vous le désirez. Alors on y va. Alors, que vaut ce Ligoo M8 Pro? On va regarder ça tout de suite ensemble. Mais avant de regarder en détail les résultats des tests et bench, on va détailler un peu le téléphone. Alors, il est fait dans un châssis métal qui est quand même plutôt bien usiné. Pas de gros défauts dessus. Je n'ai même pas vu finalement de défauts. Bon, c'est un usinage on ne peut plus simple. Hein. On va pas être transcendé par le design et l'usinage de ce châssis. Je vous le disais dans la vidéo précédente du Geotel Note. Voilà le design arrière du M8 Pro. Il n'est pas sans ressembler au Geotel Note et à bien d'autres encore qui suivent cette tendance de mettre tout comme ça dans un cercle écrasé. Hein, voilà. Ou un carré arrondi, c'est comme vous le voyez vous. Et je vous parlais de cette coque arrière plastique façon aluminium brossé. Je trouve ça trop brillant, je trouve ça un peu trop plastique. Bon, maintenant il n'en reste pas moins que vous avez du métal
Et très honnêtement, il est quand même très propre, ce téléphone. Le son sort ici à l'arrière, derrière cette grande grille. Vous avez un scanner d'empreinte sur ce M8 Pro, sachant que c'est un téléphone à 80 € et regardez, voilà. Alors la surface n'est pas très grande, hein, vous le voyez. Donc il faut vraiment très très bien positionner le doigt. Voilà. Et il est assez rapide, je trouve. Mais par contre, il vous faut vraiment positionner correctement le doigt. Donc le double capteur photo qui se trouve ici, une simple LED, et c'est peut-être un petit peu là son défaut. La prise jack sur le dessus. Donc vous le voyez, pas de bouton ici. Et les boutons power, volume plus moins. Et donc bien entendu, les cartes SIM se mettent derrière cette coque plastique arrière. Alors vous avez une bonne grosse batterie, hein, 3500 mAh, je le rappelle. La double SIM, lecture de carte SD. Lecture de carte SD qui peut lire des cartes SD jusqu'à 128 Go. Ça, c'est un bon point au moins, puisque vous n'avez que 16 Go de ROM. Donc derrière, vous le voyez, vous aviez une grande grille, mais vous avez un tout petit haut-parleur, bien entendu. Pas grand-chose d'extraordinaire. Une fabrication propre, même si ça casse pas quatre pattes à un canard, hein, on va le dire. Mais c'est d'une finition et construction propre. Voilà. Gros défaut, vous le voyez. Voilà. L'écran qui marque énormément, énormément les empreintes. Donc, bien pensez à essuyer régulièrement votre téléphone. Là où le Geotel Note marquait moyennement, lui, il marque beaucoup. Zéro traitement sur l'écran. Mais sinon, finition propre et bon. Voilà. Finition propre, on va dire. Lecture de l'empreinte. Voilà. Alors, ce téléphone, que vaut-il? Eh bien, écoutez ce que je vous propose de regarder tout de suite. Alors, petit point que j'ai oublié, ce téléphone, Ligoo, est livré sur du Freemi OS. Alors, Freemi, certains nombres d'entre vous le connaissent déjà. Vous avez eu Yuan avec son S5 qui avait sorti son téléphone sous du Freemi OS. Moi, il m'avait laissé une bonne impression, le Freemi OS. Je l'avais trouvé plutôt pas mal. Là encore, il est fluide. Ça fonctionne proprement. Vous pouvez personnaliser votre interface. Bon, voilà, c'est quelque chose de simple mais qui fonctionne bien. Ça, c'est important de le savoir. Alors, donc, j'allais le dire et j'allais le lancer. C'est AnTuTu. MT6737, pas de mode T, mode simple, mais vous voyez qu'on est à 1000 points de plus que le Geotel Note. Donc c'est plutôt pas mal optimisé avec cette ROM Freemi OS. En termes d'infos, vous avez la marque Ligoo, le M8 Pro 6737, du HD, uniquement sur une résolution d'écran de 5,7 pouces, une caméra de 13 mégapixels. Vous avez 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Et bien sûr, pour l'écran, une densité de pixels de 320, puisque vous n'avez que du HD sur du 5,7 pouces. La caméra en façade, 8 mégapixels. Pour ce qui est des capteurs installés sur ce téléphone, un accéléromètre, le gyroscope non étalonné, capteur de lumière, la proximité, et c'est tout. Identique donc au Geotel Note et lui aussi a une barre Android masquable. Voilà. On va continuer avec les tests de l'écran. Le multitouch, 5 points, bon point. Ça va, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est bien, vous avez du 5 points. Le screen test. On cache la barre des boutons et le screen test, vous le voyez. Pas de fuite. Voilà, zéro fuite, tout est bon. Alors les couleurs, pareil que le Geotel, hein, un calibrage un peu bizarre, je trouve, pour ma part. Je trouve parce que, quelque part, là, la caméra fausse, par contre, un peu les couleurs. Voilà, bon, là, on est à peu près plus proche de la réalité. Voilà, c'est fade et c'est un rouge un peu bizarre. Je le trouve plus proche du orange.
que du rouge. Bon, le vert est vert, mais pas l'eau. Le bleu est plus joli. Et on va regarder donc tout de suite les niveaux de gris. Alors vous voyez qu'ils sont moins détaillés, alors pas moins détaillés, mais en tout cas les gris sombres, on les voit un peu moins bien, ils paraissent plus sombres que sur le Geotel Note. Bon, c'est des produits équivalents, puisque hormis la double caméra, vous avez les mêmes specs quasiment techniques, sauf que là vous avez moins de RAM. Au niveau des couleurs, elles paraissent mieux calibrées tout de même que sur le Geotel Note. On les distingue bien toutes clairement. Bref, c'est pas mal, hein, c'est du bon boulot, on n'en demande pas plus. Voilà. C'est propre. Et c'est un petit peu mieux calibré, je trouve, tout de même que le Geotel Note, puisque c'est le téléphone précédemment testé. Et on va regarder donc ensemble tout de suite les résultats Epic Citadel GPS. Alors Epic Citadel, 27.8, un peu résultat équivalent d'ailleurs au Geotel, une fois de plus, hein, donc une résolution HD uniquement, un écran de 5,7 pouces, 27.8 au lieu de 27.9 je crois sur le Geotel Note, bon, rien d'extraordinaire. Alors le GPS fonctionne bien, mais 9 secondes pour faire le premier fixe, là on a réussi à mesurer, et on a 5 satellites fixés sur 12 visibles. Et toujours 5 fixés sur 12 visibles. Et par contre, un deuxième fixe en 2 secondes. Donc très bon point de ce côté-là, un fixe rapide. Ensuite, les fréquences. SIM 1 contient l'ensemble de toutes les bandes de fréquences. Vous avez la bande 900 3G, 1, 3, 7, 8, 20 et 40 pour la 4G. Et la SIM 2, uniquement la bande GSM. Voilà pour les résultats des tests, hein, rien d'extraordinaire. La principale chose à retenir, c'est l'écran sur ce genre de téléphone. Qui dit généralement téléphone pas cher, dit écran pas bien intégré. Là, ce n'est pas le cas. Sur les deux derniers téléphones que j'ai pu tester, les deux smartphones avaient un écran très très bien intégré, même si le calibrage des couleurs était un petit peu bizarre, avec des couleurs palottes, pas pétantes du tout, mais bon, qui fonctionnent malgré tout quand même bien. On va attaquer donc tout de suite la partie multimédia, alors suivez-moi. Et donc tout de suite la partie photo, vidéo. Vous regardez ça tout de suite et puis on en parle juste après. Alors, et cette partie photo, vidéo, qu'est-ce que ça vaut? Bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé personnellement que le flash était vraiment trop faiblard. La preuve, celle-ci, que vous avez pu voir, plein flash, juste à côté, et vous voyez que les couleurs sont vraiment très palottes, et c'est vraiment dû au flash. Donc, bah, écoutez, le flash, pas terrible. Ceci étant, la partie vidéo de jour est très bonne. La partie vidéo de nuit, légèrement, très légèrement saccadée, mais par contre, je l'ai trouvé pas mal piqué. On est
en haute définition sur le mode vidéo, en Full HD, et là, franchement, j'ai trouvé que c'était trop piqué. Ensuite, le mode photo par rapport à l'effet bokeh, par exemple celle-ci, où on voit bien le petit caractère avec quelques feuillages autour bien net, et tout autour, écoutez, c'est trouble, donc l'effet est plutôt pas mal rendu. Bon, voilà, ça fait le boulot, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça fait un travail plutôt correct par rapport au prix qui est actuellement autour des 80€ pour ce modèle, qui est vraiment, donc, vraiment, vraiment pas cher. Alors, on va continuer avec la partie son. Et je vous le disais précédemment dans la vidéo pour le Geotel Note, dorénavant, le son se fera à travers NCS, les No Copyright Sound, parce que YouTube pose vraiment trop de problèmes. Et les artistes que vous suiviez au départ, qui d'un seul coup changent leur politique de copyright, bon, ben voilà, c'est fait. Donc, on est obligé un petit peu de faire comme tout le monde et de prendre du NCS, du No Copyright. Donc, on va écouter n'importe quoi. Allez, ça. On va se mettre à fond. Voilà, le son à fond. Donc voilà pour le son, un son plus péchu que sur le Geotel, manquant lui aussi par contre de médium bas, très clairement. Il est un peu trop aigu à mon goût, en tout cas à mes oreilles. C'est un peu dommage parce que Ligou avait fait mieux sur des précédents téléphones qu'ils avaient sortis, tels que le M5 et même le T1 d'ailleurs. Qui avait un son quand même avec des médiums bas beaucoup plus soutenus. Donc là, le son est péchu, mais un peu trop aigu à mon goût. Voilà pour le son, et on continue avec la vidéo ce coup-là. Je vous laisse un petit peu apprécier, on va quand même un petit peu avancer, hein, parce que c'est un petit peu long avant d'avoir quelques petites bestioles intéressantes au niveau des couleurs. Voilà. Pour les couleurs sur cet écran, un niveau de détail propre, hein, ce n'est que du HD certes, mais c'est quand même franchement plutôt beau, un bel écran, je vous le disais en tout début, c'est un écran parfaitement intégré, hein, il n'y a pas de tache de rétro, pas de fuite, pardon, de rétroéclairage, pas de tâches qui sont apparues après les tests. Donc une batterie qui est bien isolée de l'écran, ça peut chauffer mais ça ne détruit pas l'écran. Voilà, on voit parfaitement les belles couleurs, même si la colorimétrie, comme je le disais au tout début, me semble un peu fade, ça laisse un petit peu à désirer. Bon, ça manque de peps, mais bon, sur l'image comme ça animée, ça va. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Mais on voit là sur du 5,7 pouces que ce n'est que du HD, hein. Ça se voit beaucoup plus que sur un 5,5. Bref, voilà pour la qualité de l'écran, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Tout de suite, le jeu. Et bon, ça va être un peu près comme le Geotel Note, hein, que vous avez certainement vu. Pas de miracle, ça fonctionne quand même bien. Donc un jeu a priori quand même bien développé, hein, très clairement. Alors, on va y aller.
Alors, un accéléromètre qui tourne, qui fonctionne bien. Voilà, qui tourne, non, qui fonctionne. Hein. Vous voyez, c'est quand même fluide, hein. Un petit peu moins que sur le Geotel Note. Il y a peut-être un peu plus de saccades. Mais bon, il y a du 5,7 pouces à gérer, donc c'est plus la même musique là. Hein. Donc il y a un peu plus de travail à faire là. Hein. Mais ça fonctionne quand même bien. Les couleurs sont belles. C'est lumineux. C'est assez fluide malgré tout. Voilà, la course est gagnée. Donc oui, c'est plutôt bien. Le jeu, je pense qu'il est franchement bien développé. C'est fluide même avec des specs plutôt bas de gamme. Hein. Malite 720, c'est pas du haut de gamme. Donc on peut estimer que le jeu y fait aussi beaucoup. Bref, ça fonctionne bien tout de même. Et en plus, vous avez une bonne batterie de 3500 mAh. Donc c'est plutôt très bien tout ça. Bien écoutez, voilà, je crois que nous avons fait le tour. Je voulais vous signaler un petit point sur ce Ligoo M8 Pro. C'est que Malwarebytes a découvert quelque chose qui pour lui est un malware. C'est le Dual ID. Donc vous pouvez le supprimer directement hein, via l'anti-malware. Mais le Dual ID permet de gérer le téléphone pour deux personnes bien distinctes. Donc voilà le petit point que je voulais vous soumettre. En dehors de ça, rien de particulier, je vous le rappelle, pas de lettre de notification, mais vous avez quand même, contrairement au Geotel, du métal avec ce châssis hein, uniquement, bien entendu, full métal, coque arrière plastique. Sinon, pas grand chose de particulier. Je trouve que l'écran est pas assez traité, voire pas du tout. Donc, on voit un peu trop les traces de doigts. Mais ce téléphone est vraiment pas cher du tout. C'est son intérêt. 80€. Il est à vendre, hein, tout comme le Geotel. Si cela vous intéresse, faites-moi signe. Il sera pour vous. Et je le rappelle, c'est que les frais de port sont inclus dans le prix que j'annonce. Alors, à tout de suite pour les conclusions du Ligoo M8 Pro. Alors, les pour, les contre, les pour. Les pour de ce Ligoo M8 Pro, son écran de 5,7 pouces, c'est vraiment très agréable pour regarder des vidéos, même pour jouer. Malheureusement, il n'est qu'en définition HD, c'est un contre. On continue dans les pour, la ROM Freemi que j'apprécie. Elle est plutôt bien foutue, elle est stable, elle est légère, n'est pas compliquée à prendre en main, donc c'est plutôt bien aussi de ce côté-là. La batterie, 3500 mAh. Bon, il n'y a pas photo, ça tient. Il n'y a aucun souci. Un MT6737 avec une batterie de 3500 mAh, vous avez de quoi faire sur la journée. Enfin, son prix, je le répète, environ 80€. Il était autour des 110, on le trouve autour des 80. Voilà, à peu près. Donc, c'est un tarif entre 80 et 110, suivant les sites sur lesquels vous allez. Ensuite, la photo que j'ai trouvé quand même plutôt bien. Photo de jour, plutôt jolie, des belles couleurs, bonne vidéo de jour. La nuit, ça se dégrade un petit peu. Ça fait partie aussi des contres. Alors le contre, toujours ici. Les contres uniquement HD, donc c'est un peu dommage. Surtout sur un écran de 5,7 pouces, ça commence à se voir. Mais sinon, c'est quand même, vous l'avez vu, bien foutu et un traitement logiciel quand même correct, donc ce qui fait que des vidéos sont quand même lisibles correctement, même si on commence à voir que ce n'est que de la HD. Ensuite, les contres, 2 gigaoctets de RAM et 16 gigaoctets de ROM seulement, c'est peu, même si la mémoire est extensible jusqu'à 128 gigas. Ça fait peu, je trouve, et ça se ressent sur la gestion des applications, contrairement au Geotel, sur lequel vous pouvez y mettre un grand nombre d'applications en mémoire et zapper de l'une à l'autre
là, ça commence à être un petit peu douteux, 2 gigas, surtout quand vous avez des grosses applications. Ensuite, la vidéo en faible luminosité. La vidéo, parce que je le rappelle, elle est un petit peu piquée et un peu trop à mon goût. Voilà, c'est tout. Et enfin, la photo en faible luminosité, elle aussi, c'est pas la caméra qui est mise en cause, mais c'est vraiment le flash. Le flash qui est vraiment trop faible. Ça manque très, très, très clairement de puissance côté flash. Voilà pour les pour et les contre. Donc, la note finale du Ligou M8 Pro est de 7.6 sur 10. Point n'en faut plus, design je le trouve pauvre, je n'aime pas la coque plastique arrière, j'aime pas son design du tout. Bon, maintenant c'est très personnel, mais ça reste un téléphone à 80€, donc bon, voilà, c'est j'aurais pu être plus cool. Bon, c'est ma façon de noter, vous le savez. Donc 7.6 sur 10, c'est pas mal tout de même pour un téléphone à ce prix, et équipé surtout d'une double caméra, hein, 13 plus 5, et enfin, surtout, cette batterie de 3500 mAh. Et vous l'avez vu aussi, la caméra selfie qui fonctionne bien, elle aussi, puisque de 8 mégapixels. Nous en avons fini avec le Ligou M8 Pro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, de mettre des commentaires. Je vais me remettre à répondre à vos commentaires, parce que c'est vrai que j'ai délaissé un peu les commentaires, j'avais pas du tout la pêche. Donc quand vous êtes très fatigué et que vous devez prendre du temps pour répondre, écoutez, vous le prenez pas, voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura convaincu. Enfin et surtout, je tiens à le répéter, prenez soin de vous, la vie vaut d'être vécue. Et sur ce, les amis, je vous dis bye bye, ciao et à la prochaine. J'attends du lourd, du bon, du gros, du costaud, bref, quelque chose d'intéressant. J'attends, ça devrait arriver, voilà, donc allez, écoutez, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Ciao.